Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline de Paperpot et ceci est un message à caractère informatif pour vous informer que les préventes du Paperpot Annual sont lancées. Toutes les informations nécessaires se trouvent dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Merci de m'avoir accordé quelques secondes de votre temps et à bientôt. Quoi, il y en a qui veulent plus d'informations que ça? Eh bien c'est parti pour le... Bienvenue dans notre vidéo annuelle et chiante dans la nature pour vous annoncer le lancement du financement participatif du Paperpot Annual. Peut-être que certains nouveaux ne savent pas de quoi je veux parler. Un annual est un magazine annuel, d'où le nom, très fréquent chez nos confrères anglais. Il en existe pour tous les goûts, Pokémon, Mon Petit Poney, Minecraft, Bino, des trucs de foot, des trucs de catch, des trucs très anglais, des trucs qu'on n'a même pas envie de savoir ce que c'est. Et bien sûr, il en existe un pour Doctor Who, et cela depuis 1965, et celui de 2019 devrait être disponible aux alentours de novembre. Et quand Doctor Who fait quelque chose, eh ben nous aussi. C'est la troisième année consécutive qu'on se lance dans ce projet de faire un magazine sur Doctor Who et Paperpot, et d'essayer de faire quelque chose qui vous plaise, tant qu'à faire. Et cette année, on voit les choses en grand, parce que le premier faisait 16 pages, le deuxième faisait 24 pages, et là on passe carrément à 44 pages, minimum. On va essayer de varier le contenu cette année et de faire un truc un peu plus proche d'un magazine que les années précédentes. Et il y aura même des contributions d'autres figures du Wooniverse francophone, si ça c'est pas formidable ma bonne dame. Bon, je suis sûre que vous êtes déjà tous conquis et que l'argent vous brûle les doigts, alors du coup... On passe par la plateforme Ulule, qui est une plateforme de crowdfunding, ou de financement participatif, ce qui est beaucoup moins classe, mais bon, voilà. C'est pour nous, comme pour vous, le moyen le plus simple et le moins cher pour les vendre, et de toute façon, ils ne sont disponibles que via cette plateforme. En fait, le fait de passer par Ulule, ça nous permet de faire chuter le prix de l'annual, parce qu'on peut commander en gros, et aussi, comme ça, nous, on vous envoie directement l'annual. La campagne de financement doit se terminer normalement aux alentours du 2 décembre 2018, ce qui vous laisse quand même un petit peu de temps, mais bon, ne traînez pas trop quand même, parce que certaines contreparties ne sont disponibles qu'à un nombre limité. Le magazine seul est au prix exceptionnel de 13€, c'est-à-dire 2€ de moins que l'année dernière, ce qui est quand même plutôt cool, et il y a les frais de port qui sont compris. Vous pouvez aussi retrouver sur la page du projet Ulule, qui est disponible en description, tous les paliers avec les contreparties qui vont avec. Oui, des contreparties. Bah, allez voir sur Ulule, elles sont toutes décrites, vous ne serez sûrement pas déçus, mais il faut quand même pas oublier que nous, bah, ce qui nous fait plaisir, c'est de vendre l'annual, qui est un truc qu'on va vraiment mettre beaucoup de cœur à faire, et après, c'est pas grave, si vous achetez que l'annual, on vous aimera tout autant que ceux qui ont pris la contrepartie la plus chère. Normalement, si tout se passe bien, on devrait les envoyer début janvier. En fait, on attend la fin de la saison 11 pour être sûr de le boucler. Eh bien oui, sinon je ne me poserai pas cette question à moi-même. L'objectif à atteindre est de 1000€. Après, si c'est pour nous aider financièrement, passez pas par l'annual, hein, parce que nous on va faire peu, voire pas de bénéfices, donc si c'est pour faire ça, passez plutôt par notre Utip ou notre Tipeee. Si l'objectif des 1000€ n'est pas atteint, eh bien il n'y aura aucun prélèvement de fait, vous pourrez utiliser votre argent à des fins plus utiles. Nolwenn en maillot et Julien Écolière ont déjà eu le droit à leur propre page dans les Paperpot Annual précédents, donc maintenant c'est à vous de choisir sur Twitter, le lien est en description pour pouvoir voter, qui de Laura ou moi va se retrouver cette année avec sa page Papermate. Bah, que vous soyez convaincu ou non, que vous ayez envie de l'acheter ou pas, bah, je suis déjà très contente que vous m'ayez écouté jusque-là, merci beaucoup. Le plus important dans cette histoire, c'est de partager le projet, en parler tout autour de vous, à vos amis, à votre famille, c'est le partage de la vie, le partage de l'amour. L'amour du partage. C'est bon, ils doivent être convaincus maintenant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je pense que je vous ai tout dit. Après, si vous avez encore des questions, vous pouvez nous les poser dans les commentaires, on sera ravis de vous répondre. Et en attendant, bah, zoubi les arbis et à bientôt! C'est bon.